Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et j'espère que vous entamez le printemps de belle façon. Pour certains, l'hiver a été difficile, a été long, surtout pour ceux qui vivent dans des pays où il fait froid, où il y a la neige, hein, comme moi. Alors on accueille le printemps très bien. On aime bien entendre le chant des oiseaux, voir la belle température nous réchauffer le cœur un peu. Alors j'espère que ça se passe de cette façon pour vous également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2019 pour le signe du Capricorne. Donc bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme à l'habitude, hein, je vous répète, je vous rappelle que les tirages ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut qu'ils ne correspondent pas à ce que vous vivez actuellement. Alors, prenez tout simplement ce qui vous convient. Le reste, c'est tout simplement peut-être que ça ne s'adresse pas à vous, tout simplement. Parce que tous les Capricornes ne peuvent pas être concernés par ce tirage-ci. Aussi, les tirages sont des tirages qui ne sont pas coulés dans le béton, hein, donc à tout moment, vous avez la possibilité de changer le courant des choses. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et c'est vous qui avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc, de ne pas l'oublier aussi. Vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos si vous souhaitez recevoir un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Et je vous suggère également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Alors voilà mes chers Capricornes. Donc, pour certains d'entre vous, hein, c'est un peu un tirage qui peut être un petit peu difficile, hein, mais c'est ce que certains d'entre vous sont en train de vivre. Alors, on voit pour commencer, on a la belle carte de l'étoile, mais elle est inversée, qui nous dit que vous vivez présentement une déception, une grande déception. Vous aviez mis beaucoup d'espoir, peut-être... ce tirage-ci concerne... pour certains, concernera l'amour et pour d'autres, concernera le travail. Alors, vous aviez mis beaucoup d'espoir en l'amitié de quelqu'un ou en l'amour de quelqu'un ou même dans le partenariat que vous aviez commencé à bâtir avec quelqu'un, par exemple, un partenariat d'affaires, d'accord? Mais cette personne, on voit ici, on a la papesse inversée. Cette personne-là vous cachait quelque chose, hein? Malgré que vous étiez très, très sincère, cette personne-là a cru bon de vous cacher quelque chose. Peut-être qu'elle avait un intérêt à être avec vous, s'il s'agit d'une relation amoureuse, par exemple, ou bien d'un partenariat d'affaires, elle avait peut-être un certain intérêt. Peut-être que la personne n'était pas totalement, était sincère également, mais il y a quelque chose qu'elle a omis de vous dire ou bien quelque chose qu'elle vous a caché volontiers. Alors, il y a quelque chose ici qui fait que la personne n'a pas pu... vous donner ce que vous attendiez, hein, l'espoir que vous aviez mis en cette personne-là. Pourtant, tout allait bien, hein, on le voit ici avec le 10 de coupe. Vous aviez l'impression de filer le parfait bonheur avec cette personne-là, hein, que ce soit en amour ou en affaires ou en amitié. Vous étiez heureux, vous étiez heureuse, hein, et vous croyez que l'autre était heureux ou heureuse aussi. Hein, c'est le 10 de coupe, c'est le parfait bonheur, c'est le partage mutuel, c'est les liens familiaux. C'est des belles choses, hein? Mais vous étiez convaincu que tout allait bien. Vous avez même ici, avec le roi de deniers, donné tout ce que vous pouviez à cette relation-là. Hein? Vous avez mis beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup de travail aussi pour que cette relation-là fonctionne. Vous vous êtes même assuré
que tout se passait pour le mieux. Hein? Parfois, on pose des questions à l'autre hein, pour savoir si tout va bien. Alors, vous êtes assuré de ça. On a le valet de bâton ici qui nous dit que même si cette relation-là était jeune, il y avait beaucoup de dynamisme, il y avait beaucoup de créativité et vous aviez envie d'aventures nouvelles hein, tous les deux. Donc, je vous le rappelle, hein, ça peut être un partenariat d'affaires aussi bien qu'une relation amicale ou amoureuse. Donc, vous étiez sur la même longueur d'onde. Vous vous êtes assuré de vérifier que tout allait bien avec cette personne-là, hein, que vous filiez le parfait bonheur. Vous aviez beaucoup de créativité entre vous au travail ou en amour. Vous aviez envie de faire des choses nouvelles, de comprendre, de vivre des choses nouvelles. En tout cas, il y avait beaucoup de dynamisme dans votre relation. Vous aviez même l'impression, ici avec le 6 de Denis, vous aviez même l'impression de recevoir de la personne autant que vous donniez à cette personne-là, hein, que chacun investissait beaucoup, chacun de leur côté investissait beaucoup. Les choses semblaient en parfait équilibre, hein, chacun était généreux ou généreuse, vous sentiez que vous apportiez votre soutien et que l'autre apportait son soutien également. Imaginez que vous étiez, par exemple, dans un partenariat d'affaires et que c'est une nouvelle entreprise, hein, parce qu'ici, on a la notion de nouveauté. Peut-être que c'était une nouvelle entreprise que vous vouliez démarrer avec cette personne-là. Et que vous êtes rendu compte que tout allait bien. Et vous sentiez que la personne apportait autant que vous apportiez de soutien pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle entreprise. En amour, la même chose. Hein, vous ne sentiez pas que vous donniez plus que ce que vous receviez. Donc, tout était en équilibre ici pour vous. Malheureusement, on a le 5 de coupe ici qui se présente, hein. Pour une raison ou pour une autre, vous devez faire le deuil de cette personne-là. Avec beaucoup de regrets, on voit ici le 5 de denier, nous parle de regrets, nous parle de parfois de remords, mais ici c'est plutôt de regrets. Vous regrettez que cette relation-là n'a pas pu suivre son cours de façon normale. Vous êtes en train de vivre un deuil. Ça vous fait beaucoup souffrir. Et peut-être même que ça vous empêche, cette situation-là, de voir, parce qu'on voit ici qu'il y a une rupture hein, avec la tour. Il y a une rupture qui vous semble être une catastrophe dans votre vie. Et vous vous demandez même comment vous allez faire pour vous reconstruire. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans le deuil et votre souffrance actuelle vous empêche de voir ce qu'il reste de beau dans votre vie actuellement. D'accord? Alors, dépendamment de chacun, peut-être que vous avez une famille, des enfants, des amis très fidèles qui vont pouvoir vous aider. Peut-être que vous avez une entreprise ou un très bon travail. En tout cas, peut-être que vous vivez des choses extraordinaires. Hein? Alors, voyez-vous, vous êtes en train d'oublier ce qu'il vous reste de beau parce que vous êtes en train de souffrir de ce deuil-là, de cette rupture-là. D'accord? Mais n'oubliez pas, c'est correct de prendre du temps pour vivre votre deuil, pour vous guérir de votre blessure, de cette rupture-là, tout naturellement. Hein. Mais ne restez pas trop longtemps dans des états dépressifs parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, quelque chose de beau qui est alentour de vous déjà, que vous avez déjà. D'accord? Cette créativité-là et cette envie de nouvelles aventures-là ne partira pas, elle est en vous, d'accord? Alors, il faut simplement vous relever de cette blessure, de cette rupture et continuer votre chemin, d'accord? Vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un qui est capable d'aller chercher votre bonheur. Il faut simplement maintenant faire attention aux gens que vous allez fréquenter. Tout simplement. Peut-être de prendre davantage de temps pour connaître la personne avant de vous embarquer dans une relation ou dans un partenariat quelconque. Hein. Alors, vous avez aussi l'impression que tous les efforts que vous avez mis
dans cette relation-là, bien, vous avez l'impression que tous vos efforts sont vains, hein? Vous vous remettez beaucoup en question et vous remettez aussi cette relation-là en question. Hein? Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que je n'ai rien vu dès le départ? Hein? Mais essayez de ne pas trop vous taper sur la tête parce que ce n'est pas nécessairement de votre faute. On voit que vous étiez sincère. Hein? Vous aviez une belle amicalité. Vous aviez des sentiments sincères. Mais cette personne-là qui est au centre du tirage ici, avec la papesse inversée, hein, vous cachait quelque chose. Alors, si c'est au niveau amoureux, par exemple, peut-être que cette personne-là était déjà en relation, peut-être qu'elle était mariée, peut-être que ça n'allait pas bien dans son couple et elle a voulu expérimenter quelque chose de nouveau, hein, on parle de nouveauté ici. Alors, cette personne-là a peut-être voulu expérimenter quelque chose de nouveau sans vous dire la vérité, mais entre-temps, peut-être que des choses se sont réglées avec son ou sa conjointe. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Peut-être il y a d'autres choses que cette personne-là vous cachait, hein, tout simplement, que je ne suis pas en mesure de dévoiler ici, de découvrir ici, mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas osé vous dire, tout simplement, et elle a pris la décision de quitter pour X raisons. Alors, et si c'est en rapport avec le domaine professionnel, bien la même chose, hein, la personne peut-être vous a caché d'autres aventures qu'elle avait besoin de vivre ailleurs, hein, d'autres intérêts par exemple, et peut-être que ce partenariat-là ne lui convenait plus, peut-être qu'elle a découvert qu'elle n'aurait pas le temps, assez de temps à consacrer aux deux activités, et tout simplement, peut-être qu'elle ne vous a pas dit, cette personne-là, qu'elle avait d'autres intérêts et d'autres activités ou un autre travail, et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de temps à consacrer aux deux, donc elle a pris tout simplement la décision de quitter. Alors, il faut adapter ce tirage-là à votre situation, à vous actuelle, d'accord? Mais s'il vous plaît, mes chers Capricornes, ne restez pas trop longtemps dans le deuil. Reprenez de la force pour vous reconstruire, hein, reconstruire votre intérieur. Et comment, de quelle façon vous pourriez faire ça? Ben, justement, j'ai pigé deux cartes, une qui vient du message des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés, et une autre, une affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Alors, la carte du message des anges, archanges et maîtres ascensionnés, c'est la carte Paul le Vénitien. Alors, Paul le Vénitien, je vous montre la carte tout d'abord. Hein. Regardez la belle carte, hein, une belle rose. Ça nous parle un peu de passion, cette carte-là. Donc, justement, cette carte-là vous dit « Soyez l'artiste, l'auteur et le créateur de votre vie ». Si vous avez déjà entamé quelque chose, si c'est au niveau professionnel, par exemple, mais vous savez que vous êtes capable d'accomplir autre chose, hein, ou continuer tout simplement votre passion. Et comment transcender un état dépressif, si je peux dire, dans une relation amoureuse, bien c'est en exprimant votre amour dans vos passions et dans vos créations. Donc, si, par exemple, c'est au niveau amoureux, bien, concentrez-vous sur vos passions, sur vos intérêts, exploitez vos talents, d'accord? Et ça va vous aider à vous sortir de votre douleur, de votre sentiment d'avoir tout perdu, hein, après cette rupture-là. Donc, concentrez-vous sur vos passions, sur vos intérêts. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour Paul le Vénitien. Alors, si je peux bien sûr trouver la page, parce que parfois, ils ne sont pas en ordre. Je vais essayer de trouver ça pour vous. Parfait. Alors, on vous dit,
Vous êtes en tout temps le créateur de votre vie. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, alors dessinez-vous un autre tableau de vie, rempli d'amour et de passion. Laissez votre cœur vous dessiner des merveilles. Vous pouvez changer votre vie dès maintenant, si vous le décidez. Demandez-lui d'infuser votre cœur du rayon rose afin de stimuler votre inspiration et votre envie de créer dans l'amour. Alors là, imaginez le rayon rose qui vient régler un peu cette situation. Le maître Paul le Vénitien est le dernier directeur du troisième rayon, donc le rayon de l'amour, de la beauté et de la tolérance. Il se dévoue pour la beauté, la perfection de l'âme par la compassion, la patience, la compréhension des lois cosmiques. Il s'incarna en Atlantide, en Égypte antique. Sa dernière incarnation fut le peintre Paolo Cagliari, dit le Vénitien. Et il a peint plusieurs magnifiques fresques chrétiennes, dont les noces de Cana. Alors, c'est simplement pour vous dire que Paul le Vénitien, ce maître ascensionné, peut vous aider à, avec son rayon rose, hein, à mettre de la beauté dans votre vie, à vous inspirer aussi par rapport à vos passions, à vos intérêts, à votre créativité. Alors, demandez le rayon rose de Paul le Vénitien pour venir vous aider à vous sortir de votre état dépressif ici par rapport à votre rupture. J'ai également tiré une affirmation pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Et cette carte-là, c'est la belle carte Amitié. Je vous la montre ici. Et cette carte-là vous dit « Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. » Qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Alors, la même chose, hein, c'est un bon conseil. Donc, peut-être ici, on vous appelle à essayer de connaître davantage la personne qui rentre dans votre vie au niveau amoureux ou professionnel, ou amical, hein, tout simplement. Prendre le temps de connaître quelqu'un. C'est sûr qu'on ne connaît jamais quelqu'un à fond, hein, mais de prendre peut-être plus de temps pour connaître la personne. Et si cette personne-là, finalement, ne vous convient pas, laissez tomber, passez à autre chose et gardez simplement les gens qui tiennent à vous, qui vont vous aider à vous reconstruire, qui vont vous aider à sortir de votre douleur, de votre peine, qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à suivre vos passions et vos intérêts. Je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour amitié. Pardon. Alors, amitié, ça vous dit, l'affirmation que vous pouvez vous répéter. Aujourd'hui, je m'ouvre à la venue de nouveaux compagnons et amis que je souhaite et mérite d'avoir. Je sais que mes véritables amis sont ceux qui mettent de la magie dans mon quotidien et qui m'aident à donner le meilleur de moi-même. Mais les autres, les faux amis, je les verrai sous leur vrai jour, hein, voyez-vous, et les laisserai tomber. Je choisis maintenant la compagnie de ceux qui savent que je suis une personne de valeur, digne d'être aimée, car j'en suis une. Voilà. Alors, comme je vous dis, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de ne pas trop rester trop longtemps dans votre peine, mais gardez à l'esprit que si cette personne-là vous a caché quelque chose, hein, probablement que cette personne-là ne vous méritait pas. D'accord? Alors, cette personne-là continue sa vie. Elle est partie, elle a continué sa vie. Vous devez en faire de même, hein? Continuer votre vie, sortir de votre peine, prendre les moyens pour retrouver la joie de vivre, hein, retrouver votre inspiration. Amusez-vous avec des amis sincères. Allez vers vos passions, faites ce que vous aimez. Amusez-vous, d'accord?
parce que vous, vous êtes une personne sincère. Alors, prenez soin de vous, mes chers Capricornes. Prenez soin de votre intérieur également. Permettez à vos amis de vous soulager, de passer des bons moments avec vous pour vous aider. Et intériorisez-vous. Prenez le temps aussi de connaître les nouvelles personnes qui vont se présenter à vous. Donc voilà, mes chers amis, ça termine votre tirage pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a pu répondre à certaines de vos interrogations. J'espère aussi qu'il a pu vous apporter quelques pistes de solutions. Alors, que ce tirage vous concerne ou non, n'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que, même si ça ne vous a pas parlé, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à continuer. N'hésitez pas à partager également la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Donc, je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Mon adresse se trouve en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure dès que vous m'en ferez la demande. Et je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous, mes chers amis, et soyez prudents. On se retrouve pour d'autres énergies le mois prochain. Merci de votre écoute habituelle. Au revoir.